zoom, mais ouvre d'un diaph. Bon, ben, vas-y, lis. Féminin. Féminine. Qui est propre à la femme. Organisme féminin. Grâce féminine. Charme féminin. Voir féminité. L'intelligence féminine. L'internel féminin. L'internel féminin. Pas de masculin. Masculin. Qui est propre à l'homme. Elle est assez belle, mais pas masculine. Courage masculin. Propre à la femme, organisme féminin, grâce féminine, charme féminin, voir féminité, l'intelligence féminine, l'internel féminin. I think the women's movement of the 1960s had a huge impact on film at the time, and as the women's movement sought out to deconstruct and reinvent what the roles of women were in society, you had, I think, women in film trying to reinvent what women's role was in film. And at the forefront of that, I think you had somebody like Delphine Seyrig or Chantal Ackerman, who were real spearheads of that in the 60s and 70s, trying to change the situation of women in cinema. Et ici, toutes, on a participé à ces moments magnifiques, ces moments très forts, qui ont débuté donc avec le manifeste des 343. 343 femmes déclarent avoir avorté. Nous étions passibles de poursuites judiciaires pour avoir déclaré à 343, dont des femmes célèbres qui ont bien voulu signer aussi, il faut le noter, avoir déclaré que nous avions avorté. Alors, ce manifeste a été une bombe en France et à l'étranger. On peut dire que ça a été la bombe de redémarrage du féminisme officiellement. And a lot of these activists of the women's movement were radicals. And you could see that radicalism in the movement and you can see that in film. If you have a revolution happening on every single sort of fracture of society. You've got an entire revolution going on in this country on every level. You think it's not going to be reflected at all? Nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu. Il n'y en a plus. Bon. De toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétéroclites, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait. Et qui nous font encore. Et qui nous font des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. A director like Chantal Ackerman, I think, focused on depicting women as they are and life as it is, focusing on everyday life of the characters, perceive a kind of dullness. And I think what she was trying to do was kind of reject a sort of romanticized view of women, or just romanticized view of life, even though Chantal Ackerman herself never really called herself a feminist, but called herself a director who happened to be a woman. And one of the things about sort of depicting the every sort of dullness of everyday life is that you give to the audience a sense, an emphasis on the passages, on the passage of time. Pourquoi ce souci de vouloir raconter justement un peu le quotidien de la femme? On a déjà assez raconté des histoires folles d'amour qui n'arrivent
presque jamais, ou... Le cinéma a montré une image de la femme vue par les hommes qui est complètement fausse. Et même quand des gens essayent de montrer le quotidien d'une femme, ils ne montrent qu'un quotidien fantasmé, moi aussi probablement. Hein? Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Sois belle. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra. Bon, alors ils m'ont travaillé là le visage. Et puis ils m'ont redressé et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait. Et puis le dernier, oui, il voulait que je fasse casser la mâchoire, briser la mâchoire à un dentiste pour creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des belles joues d'adolescence un peu. Et un jour, avec le nez que tu as, tu vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre sérieux, ce nez-là. Et puis dernièrement, le mot est venu de en haut que Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Ben, il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Donc, comment caser une femme de 40 ou 50 ou 60 ans? Elle n'a pas de place dans le fantasme masculin. Alors on l'élimine. C'est un show pour les hommes, par les hommes. Alors adieu Berthe. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. La presse, c'est partagé la presse, mais c'est quand même des hommes. Étant une femme noire, au début, j'ai joué beaucoup, beaucoup de bonnes. Et il n'y avait rien d'autre pour mes sœurs noires. À moins d'être très noire, alors on pouvait jouer des esclaves. Mais j'en ai fait peu, parce que mon teint n'était pas assez foncé. Est-ce que tu as déjà joué des rôles où tu avais des scènes chaleureuses avec d'autres femmes? Non, je n'ai jamais fait ça. Non, jamais. 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 Non. And a lot of the women who were inspired by the women's movement not just only took it out of the arts, but different factors of society. You know, it exploded from literature, in politics, in cinema, and then you had women taking inspiration from literature, like the writings of Valerie Solanas, when she wrote the Scum Manifesto de Valérie Solanas, 1967. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total. Et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses. Qu'à renverser le gouvernement, virgule. Éliminer le système monétaire, virgule. Instituer l'automation totale. Et détruire le sexe mâle, point.